Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve pour une petite vidéo. En fait, je vais vous expliquer. Désolé si j'ai un peu du mal, je suis malade. J'ai le nez pris, j'ai mal à la gorge. Donc vraiment désolé. En fait, vous inquiétez pas si vous m'invitez dans des groupes sur Xbox ou par des messages. Si vous m'envoyez des messages, je peux plus vous rejoindre. Je me suis fait ban par Xbox. Il y a plusieurs façons. Soit disant que je me suis fait ban, soit j'ai triché. Donc je vois pas dans quoi. Et soit j'ai traité des personnes, ou soit c'est une erreur. Donc du coup j'ai pas encore appelé Microsoft, donc je sais pas encore, je vais attendre. On va attendre quelques jours, on va voir. Et les seules personnes que je joue c'est avec les abonnés, avec Damien, ou avec, comment il s'appelle? La team Derby. Donc je vois pas du tout qui c'est qui aurait pu me balancer à Microsoft. Surtout que je triche pas, donc voilà. J'en ai parlé un peu à la team Derby. Ils m'ont dit tout simplement c'était de la jalousie d'une personne, ou voilà. C'est des personnes qui sont jaloux parce que je fais des vidéos sur YouTube, ou que je fais partie de la team Derby, ou je sais pas. C'est peut-être la jalousie. Surtout quand je joue avec Damien, je joue beaucoup avec Damien des fois, et Alexis aussi, c'est pareil, on est ensemble, donc pour rigoler, on se traite, mais pas trop méchant. Donc je pense pas que ça vient d'eux. Vous inquiétez pas, j'ai un peu de nez pris, donc si vous m'entendez parler bizarrement, c'est normal. Donc moi j'essaie de chercher mon côté, donc vous inquiétez pas, c'est pour l'instant, je peux pas vous rejoindre sur Xbox, les groupes où je réponds pas aux messages, parce que bah je me suis fait ban. Je peux toujours jouer, mais je peux pas rejoindre les groupes, ni les... je peux pas répondre aux messages. Donc moi j'essaie de voir mon côté avec Damien, pour voir, mais je pense pas que ce soit lui. Après je vois pas du tout. Après c'était de la jalousie, comme ils disent dans la team Derby, c'était une personne qui est un peu jaloux, donc qui a décidé de me ban, mais peut-être pas de la team, c'était une partie que j'ai joué avec une personne que j'ai joué, ou un abonné qui est un peu jaloux, donc du coup qui s'amusait à je sais pas, à me bannir sur Microsoft, parce que j'ai reçu. En fait je peux pas rejoindre les groupes, je peux vous montrer vite fait. Si par exemple je crée un groupe, vous allez voir, c'est marqué erreur de machin. Hop. Allez, c'est marqué erreur. Tu vois, déjà je peux pas parler en fait. Je peux mettre mes écouteurs, mais personne m'entend et moi je les entends pas non plus. Et du coup j'étais voir sur le site de Microsoft avec mon compte bien sûr, et ils disent que soi-disant j'ai triché, ou soit que j'ai traité des personnes. Donc je vois pas dans quoi je peux tricher, parce que je triche pas sur GTA, sur console. Comment vous pouvez, voilà, je comprends pas. Même moi je comprends pas comment je peux tricher, surtout que j'ai pas beaucoup d'une sur GTA. Ça part à part, je pense pas que GTA. Après c'était des personnes qui sont jaloux. Après quand je joue plus souvent avec les abonnés, mais encore c'est rare que je joue avec les abonnés, que je suis dans des groupes. Sinon je suis plutôt avec Damien puis Alexis. Mais c'est vrai qu'on joue ensemble, c'est pour rigoler et on se traite et tout, mais on est vraiment tous les trois. Encore des fois je suis à deux avec Damien, mais on se traite, mais c'est pour rigoler. Ou sinon après je suis avec la team Derby, puis encore la team Derby, je joue avec eux, on parle, mais sans plus, on se traite pas, voilà. Donc je trouve ça vraiment débile de faire ça. Je pousse un coup de gueule parce que ça m'énerve de ban des gens juste pour ça, juste pour des trucs à la con. Surtout que ça fait longtemps que je suis sur Xbox. Et du coup bah voilà, j'ai jamais fait le con, donc je comprends pas le pourquoi. Mais bon bref, après c'est pas moi qui choisis, c'est eux. Après je sais pas si ça peut soi-disant que on m'a dit de la team Derby, on m'a dit que ça peut durer une semaine. Si c'est quelqu'un qui a par exemple, c'est déjà j'ai traité une personne comme ça, c'est pour une semaine. Ou si c'est pour le reste, ça peut durer 2-3 jours, c'est à voir par la suite. De toute façon, vous verrez la différence si je vous réponds ou pas par message. Si je vous réponds, c'est-à-dire que ça marche. Si je vous réponds pas, c'est-à-dire que voilà, vous inquiétez pas. M'envoyez pas de demande, parce que j'arrête pas de recevoir des spams entre guillemets. Vous spammez tous de messages sur Xbox et d'invitations de groupe, mais si je peux pas rejoindre, désolé, je peux pas vous répondre en plus. Donc je suis vraiment désolé. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a aidé entre guillemets. Méfiez-vous maintenant des gens avec qui que vous jouez, si vous connaissez pas vraiment, parce que sérieusement ça fait mal au cul.
Donc du coup voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous prévenir que je peux pas vous rejoindre sur les groupes et aux messages, je peux pas vous répondre. Donc du coup j'espère que tout ça ça va se réparer et j'espère que moi aussi de mon côté tout va s'arranger parce que je suis toujours enrhumé. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime mais de me dire d'un côté si ça vous a déjà arrivé ou pas. D'être banni pour un oui, pour un non, dites-moi, ou sur console, soit sur PC, sur PS3, ou je sais pas, sur les autres consoles PS4. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé ou si c'est la première fois. Moi, c'est la première fois de mon côté. Donc, du coup, voilà, j'espère que je vous ai aidé. J'espère que, bah, je peux pas vous dire plus. J'attends un peu, sinon, si ça marchera pas, bah, j'appelle Microsoft pour savoir. Donc, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite et ciao, bye bye, salut tout le monde.